Dan Cares has a great ambition. The ambition to provide basic health benefits to all Danoners in the world. Especially in three core risks. One of them is maternity. Second is hospitalization and surgery. And the last one is outpatient. Thanks to the Danke program, I had private medical care during my whole pregnancy. Then I could give birth in the best clinic in whole Warsaw. And the third, which is also very important to me, is that Danone, via Danke program, gives me additional 1 month of maternity, which is fully paid. Bye! Gracias a Danke, tuve dos grandes beneficios. Uno fue la operación en mi rodilla derecha y el otro fue una infección en el estómago, una gastroenteritis que me aplicaron. Muchísimas gracias. Para mí, para mis compañeros, Dankers nos ofrece estabilidad en la familia. Sabemos que una enfermedad, un accidente, tenemos el respaldo de esta prestación. Sabemos que si estamos bien nosotros, nuestras familias van a estar bien. Eso es lo que significa para mí, estabilidad. Gracias. 经过我现在我朋友推荐了Dankers这个项目之后呢，他们也非常的想加入到这个集团。Nous avons mis Dankers en place en Neuve-Lévis, tout d'abord pour assurer un traitement équitable de tous les Danoners, qu'ils soient de Nutricia, d'Aqua, de Cereal Soda, de Nundairy. Et la deuxième raison, c'est être sûr également que les soins de santé ne seront pas limités par le cash disponible par chacun de nos employés. I am Dinis, I am 18 years old, and a few months ago I suffered from scoliosis. During that time, I feel a lot of pain on my back. But now, after the surgery, I don't feel any of those pain anymore, and I can carry my activities as usual. Thank you, Dan Cares. It's obviously a huge social progress. At the same time, it leads to more engagement, more attractivity, less turnover of Danoners. So performance and well-being go together. Danker, c'est une démarche innovante parce qu'elle est inédite. À ma connaissance, il n'y a pas d'autres initiatives de ce genre venant des entreprises. Mais c'est aussi une initiative qui ressemble à Danone. Elle est typiquement au cœur de son double projet économique et social et elle va conforter le contenu, la consistance de sa responsabilité sociale. Et puis, je pense que c'est bon aussi pour jouer un effet d'entraînement auprès d'autres entreprises et, le cas échéant, dans les pays où ça va se développer, donner quelques idées au pouvoir public. Le programme Dankers m'a permis de voir que Danone était une entreprise à caractère très, très humain, pour laquelle la satisfaction et la motivation des employés est très importante. Au revoir.